Bonnard, comme tous ses amis, Nabi, donc je pense à Vuillard, je pense à Roussel, a eu entre les mains un photographe. C'était très à la mode, enfin, et en particulier très important pour les artistes fin 19e. Et donc il a fait quelques photographies, mais à l'inverse des autres, il ne les a pas utilisées pendant très longtemps. Et pour lui, la photographie n'était pas... Enfin, c'est ce que dit en tout cas une des critiques importantes de Bonnard. Il dit que la photographie ne lui sert pas pour son travail pictural. Moi, je ne crois pas tout à fait ça. Et en même temps, vous voyez, quand il a choisi de photographier Marthe dans la nature, c'est par référence à un travail qu'il était en train d'effectuer, qui était le parallèlement de Verlaine, où il va présenter justement, à travers les poèmes de Verlaine, ce corps donc, de Marthe, et exactement dans des positions qui sont présentes dans ces photographies. Et en même temps, c'est des photographies qui, esthétiquement, sont d'une qualité exceptionnelle. Et le corps de Marthe, toujours en évidence, et la beauté de ce corps quoi, est à noter aussi bien sur les dessins que sur les photographies, et même que sur la sculpture, à travers les 3-4 sculptures que nous présentons.